bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on retrouve non pas Kratos mais Atreus pour la suite de notre incroyable aventure, épisode 12 évidemment sur God of War. Comme d'habitude, un casque ou des écouteurs. Merci à tous ceux qui pensent à mettre un magnifique like et un magnifique commentaire. Ça fait extrêmement plaisir. Et on reprend la suite exactement là où nous en étions arrêtés tout simplement, avec Atreus qui a fui la maison où on était censé dormir pour rejoindre le Serpent Monde et avoir quelques petites infos histoire de trouver Freya. Bref, quoi? Ok. Attends, c'était des kamikazes ça. Pardon, excusez-moi. C'était des kamikazes ça. Alors, il y a le frérot qui est resté à l'entrée, qui m'attend. Je pense que là, on va avoir affaire à un boss. Ok. Parfait. Exécution pour récupérer un petit peu de vie. Pas encore. Bon, malheureusement, ça fera pas plus de vie. Mais avec ce qu'il a lâché au sol, on récupère pour le coup et on est plutôt content. Allez, on est parti pour la suite de notre aventure. Corbeau de mauvais augure. Direction. Si seulement j'avais une boussole. Si seulement j'avais une boussole. Bah oui, bah c'est vrai. C'est Kratos qui a la boussole. Là, on a quelque chose ici. Ok. Ok. Alpha. Ok. Très bien. Bon, j'avais pas très bien joué là pour le coup, mais enfin, écoutez, c'est mieux que rien. Bon, on sait qu'on a un coffre de l'autre côté. Super ça, les effets de lumière et tout. On y est les gars, on est dedans. Ouais, ça j'ai plus confiance. Je préfère le PTO. Ok. Alpha. Oh, bien joué. Hop. Allez. Vache, son bouclier casse les couilles à tout le monde. Allez. Mort. Wow. Quelle force. Hop. Exécution. Ça permet de faire un peu de vie normalement. Wouh. 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 Oh la vache, frère. Wouh. Wouh. Bon. Alpha. Hop, soleil. Allez. Petite prise au calme. C'est pas vrai. C'est pire. Hop. Ah, y'a pas que ça, hein. Y'a que ça, hein, les gars. Pardon, excusez-moi. Y'a que ça. Je vois que ça. Hein. Ok. Allez. Y'a le feu. Non, y'a pas le feu.
Oh la vache! Ah, je voyais que ça, casse les couilles, tu vises les pieds, frère. C'est tout, il a pas à me saouler bien longtemps, celui-là. Cassé. Ouh, il était relou. Ok. Ça, on est bon. Un peu d'argent pour les braves. Je préfère les péter, sait-on jamais. Ok. On est parti, il y avait un coffre à gauche. Normalement. Parfait. Allez, ça va bien se passer. Oui, ça va aller. Viens, bibiche, viens. Ok. Freyan est sûrement plus très loin. Je n'ai plus qu'à trouver cette grande porte. Parfait, 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 parfait. Viens, le port. Parfait. Mais pas trop parfait quand même. Alors attendez, il y a un truc qui me déplaît un peu. Normalement. Normalement. What the fuck, je l'avais pas vu. Vous croyez que fallait que je fasse en sorte qu'il attaque avec sa boule de feu? Mais non, ils auraient pas joué là-dessus quand même. Pour les gens qui, comme moi, le voient pas, c'est relou, tu vois. Ah. Parfait. J'ai eu très peur, let's go. En plus, c'était le coffre qu'on avait vu de plus haut, me semble-t-il. Au loin. Dépôt de scories et reste de bêtes. Let's go. Très content. Choqué, pas déçu de ce beau coffre. On continue. Ça commence à devenir de plus en plus chaud, hein, les ennemis. Et les gars, je ne suis... Je ne suis que le petit Atreus. Un coffre comme ça gratuit, c'est bizarre, hein. Presque trop beau. Hé, hey, c'est toi là-haut? Ouais, en bas. Hé, hey, as-tu retrouvé la raison? Oui. Enfin, non. Je n'ai pas changé d'avis. Ha! Tu vois que tu doutes. Oh. Hey! Tu ne doutes jamais, toi? C'est toujours mieux que les regrets. Je ne sais pas si je suis de cet avis. Mais je t'en prie, continue. Et tu finiras par avoir les deux. Oui, c'est la porte. Ok. N'oublie pas de crier si elle se met à te tuer. Merci, je suis rassuré maintenant. Donc elle est censée être derrière cette porte. On parle de Freya, hein. Je rappelle que on a tué son fils. Salut, Freya. Ben quoi, j'ai pas le droit de venir voir une vieille amie. Y a rien de mal à ça, pas vrai? Je veux dire, c'est pas parce que je suis responsable de la mort de ton fils que... mieux vaut éviter ce sujet. Comment, Freya? Pourquoi je porte la pointe de flèche qui a tué ton fils en pendentif? C'est une bonne question. Elle va me tuer. Ah, elle est là en plus, on la voit d'ici. Ça sent la sauce! Il faut y aller. Atreus, tu fais peut-être, voire sûrement, une très grave erreur. Freya! Tu aurais dû rester avec Sindri. Attends! Arrête! Ton père. Où est-il? Il est pas là! C'est lui qui t'a envoyé? Non! Il ne sait pas! Tu n'aurais pas dû venir. Il m'a pris mon fils. Qu'est-ce qui te fait croire que je ne ferai pas de même? Tu vaux mieux que ça! Tu es prêt à parier ta vie?
Que crois-tu savoir de moi? Je sais que tu m'as pas encore tué. En attendant que tu te décides, tu ne veux pas me libérer pour que je t'explique pourquoi je suis là? Si tu viens plaider la cause de ton père, alors tu perds ton temps, car son sort est déjà scellé. Mais tu sais qui est responsable de tout ça? Je ne peux pas atteindre Odin. Et je n'en ai pas besoin. Le Ragnarok s'en occupera. Ah oui? Et si je te disais qu'il est venu à Midgard? Il est venu à nous. Il a promis la paix si on le laissait tranquille. Il dit que le Ragnarok a déjà été évité. Mensonge. Peut-être bien. Mais si tu connais la prophétie de Groa, tu sais qu'il dépend d'une armée de géants. Les géants attendent la guerre à Jotunheim. Non! J'y suis allé! Il n'y a aucune armée de géants! Il n'y a aucun géant! Je suis le seul. Toi? À Jotunheim, on a appris la vérité. Ma mère était la dernière gardienne de notre peuple à Midgard. Et ce n'est pas tout. Les géants ont des prophéties qui me concernent. Ils m'appellent... Loki. Il me semble que... je peux aider... à arrêter Odin. Enfin, je crois. Mais si tous les géants sont morts et... que tu ne veux pas le combattre... alors il a déjà gagné. Pourquoi on ne travaille pas ensemble? Maintenant que tu peux te battre? Je suis loin d'être prête pour... D'accord. D'accord. Mais on a trouvé Tyr. Peut-être que si... tu allais lui parler... Tyr est en vie? Oui. On l'a fait s'échapper de Svartalfheim. C'est impossible. Les 9 royaumes sont verrouillés, pour tous. Non. On a rouvert le passage. On ne sait pas où aller ensuite. Si on s'unissait tous, alors on... Ça suffit. Assez! Va-t'en maintenant. Pars et ne reviens jamais. Pars avant que je ne change d'avis. Et que ton père ne s'attende pas à la même clémence. Ça s'est pas si mal passé, finalement. Bon... retourner chez Sindri. Ça sent pas bon, cette histoire, je te le dis, mon petit. Je te le dis. Ok, qu'est-ce qu'on a là? On est là? Des morceaux de métal du temple de Tyr fusionnés avec de la pierre. D'accord, c'est une répercussion. Très bien. Ah, c'est un accessoire. Peut-être pour améliorer mon arc, à mon avis, avec Sindri. Tout à l'heure, il me semble, je pense, ça me paraît logique. Wow. Je t'ai vu, petit coquelicot. Bien joué, les devs. Ça joue avec les caméras. Ça me plaît, j'aime bien. Ok, allez, on continue. Au moins, je suis pas mort. Mais j'ai obtenu aucune réponse. Tout ça n'aura été qu'une perte de temps. Même si je pourrais jamais l'avouer à Sindri. Ok. Y'a moyen que je me fasse fouetter les fesses en rentrant, je vous le dis, hein. Heureusement que j'aime l'escalade. Ok... très bien... Yop! Oh, Parimir, tu vas bien? Alors, raconte. Je commençais à croire... Sindri, je t'avais dit que je m'en sortirais. Mais je ne crois pas qu'elle veuille nous aider. Alors, où est ton collier? Hein? Oh! Je réfléchissais et je l'ai jeté. Elle l'a pris, c'est ça? C'était ton jour de chance. Alors, dis-moi,
Le chaos, t'a-t-il réussi? Je... Je venais juste de le réparer. Ah! Viens là-bas! J'ai toujours mon sac à malice, tu sais. Si t'as besoin de moi, je serai ici. Patience. Allez, go! Yaria! Miskin, c'est même pas moi qui l'ai eu, c'est Sindri. Aïe! Je crois que je vais vomir. Wop, allez, esquive. Wouh, esquive. Viens le pas. Wouh. Hop, bam. T'es mort, mon pote. Mort. Et ben voilà. Alors, je réparerai les bibiches. Sortons d'ici avant qu'autre chose ne cherche à nous tuer. Oui, bonne idée. Je mets les pieds dans le plat, mais allons-nous parler de tout ça à ton père? Puisque tu joues franc jeu. Jamais! Il te tuerait. Certes. Bon. En parlant de franc jeu, je voudrais ton avis sur quelque chose. Une chose que je cache à mon frère depuis très longtemps. Je te raconterai sur le chemin du retour. Bien. Ah, on était déjà full life, dommage. Ok, il dira quoi ? Il n'arrête jamais. Viens le pas ! Quoi ? C'est une flashbang ? Ok. Viens le pas ! Ok. Allez, cap sur la tour d'Alfheim. Qu'est-ce qu'on disait? Bien avant ta naissance, il y a eu un accident à la forge. Brock est mort. Je ne pouvais me résoudre à l'accepter. Alors, je me suis rendu au lac des âmes, à Alfheim, pour dérober l'acier. Des légions d'âmes ont essayé de m'en empêcher. Je sens encore leur contact sur ma peau. Seulement... je n'ai pu récupérer que 3 parties de son âme sur 4. Sindri ? Brock croit qu'il s'est évanoui. Je lui ai caché la vérité tout ce temps. Mais ça me ronge. Il faut que tu lui dises. Il a le droit de savoir. Le moment venu. Viens pour toi, avec ton père. Ce n'est pas la même chose. On va revenir ici, parce que là, je peux pas y aller. C'est embêtant. Attends, il y a un truc qui me... Bon, ça prend toujours la poudre, c'est terrible. Flemme de faire demi-tour, on se casse. Oh, ok, la sortie c'est là-haut. Super. Vraiment, maintenant? Tiens pas! Ok. Ok. Allez, on se casse. Sindri, t'as rien fait de mal. T'as sauvé la vie de Brock. Moi, j'ai causé des problèmes. Non. J'ai fait un choix. Un choix qui ne me revenait pas. Ok, je vois pas comment on peut... Comment ça? Un choix? Je ne pouvais pas rester seul. Les autres nains, quand ils l'ont vu, nous ont chassés. Donc nous sommes partis faire notre vie ailleurs. Eh bien, ce qui est fait est fait, mais ça n'a pas à définir qui tu es. Rentrons avant que père se réveille. C'est la meilleure idée que tu aies eue cette nuit. Très. Très? C'est un... Tais-toi. Oh ? Bizarre, cette histoire. Très bizarre. Oh, non. Je n'ai pas le droit de te donner un surnom. Est-ce que c'en était un ? Oh, laisse tomber, Locke. Non, c'était pire. Oh, je l'ai réalisé en le disant.
Parfait. On y va? Allez, bibiche, on se casse. Let's go! Il est temps de rentrer à la casa. Je déteste rentrer les mains vides. Après mon échec avec Tyr, je voulais au moins... Pas si vite, John Yotun. Tyr ne répond peut-être pas tout à fait à tes attentes, mais un échec? Tu l'as libéré de son terrible sort. C'est pas rien. Et puis, qui sait? Peut-être qu'il finira par nous aider? Peut-être. Mais Père ne l'acceptera pas éternellement. Je suis sûr qu'il connaît déjà le prochain endroit où nous irons nous cacher. Dans ce cas, n'empirons pas notre cas en nous faisant attraper. Lorsque nous arriverons, je dissimulerai nos traces devant l'accès et me faufilerai par derrière. Toi, reste naturel, mais ne traînons pas. Je pense qu'il va nous attendre les bras croisés, ça va swinguer. Allez, allez. Il est adorable, Cindy, il fait taper des barres. Bah alors ? Ah non. Moi, je dois faire genre. Ce n'est pas le risque qui m'inquiète. Pouvons-nous nous fier à leur jugement ? Je crois en leur sagesse, et c'est ce qui se rapproche le plus de leur parole directe. Tu es certain que les géants déconseilleraient la guerre ? J'ai dit qu'ils étaient sages. Il me semble que cela va de pair avec le pacifisme. Oh, petit frère! Je t'avais bien dit de pas t'en faire. Atreus, où étais-tu parti? Me soulager? J'espère que vous avez faim! Je ne dis pas non. Tout le monde est aussi bien reposé que moi? J'arrive tout de suite! C'est... de la saucisse? Bien sûr, si tu le dis. C'était meilleur dans mes souvenirs. Tu préfères peut-être taper la tambouille pour tout le monde? Eh bien, d'accord. Ah bon? Nous préparions notre prochain voyage, Atreus. Oh. Alors? Où allons-nous? À Alfheim, le royaume des elfes. Alfheim? Tu détestes Alfheim, pourquoi on irait? C'est temporaire. Nous allons y chercher des informations. La fresque de Groa, jeune homme. Ton père m'a dit que tu l'y avais trouvé. Groa, la gardienne du savoir. Oh, je pourrais peut-être y déverrouiller un secret. Oui, qui d'autre que la prophétesse qui a tout prophétisé? Je n'étais pas sûr que... Qu'importe. Excellent. Alfheim. Et n'allez pas oublier ce qui vous permettra d'y aller. Vous savez quoi? Je vais construire une plus grande table. Plus pour moi. Passer au royaume d'Alfheim. Tyr, tu vas vraiment venir avec nous? Oui, dès que vous serez prêt. Enfin, dès que ton père sera prêt, devrais-je dire. Si par mes conseils je peux t'aider à obtenir les réponses que tu cherches, c'est bien le moins que je puisse faire pour rembourser ma dette. De plus, revoir la lumière d'Alfheim me fera du bien. Cette lumière elfique, c'est de la bonne. Ok. Alors, qui a eu l'idée de ce plan? Oh, Mimir, bien sûr. Je lui ai demandé comment vous m'aviez retrouvé, et il m'a parlé des prophéties secrètes cachées dans les fresques des Jotnar. C'est facile. Nous faisions le point sur les fresques pour nous. Ok. Je crois que c'est ce que j'ai trouvé, les gars. Armure. Atreus, accessoires, répercussions, d'accord.
Et ça sert à faire quoi, les attaques au corps à corps contre les ennemis affectés par la magie sonique inflige plus de dégâts. Très bien. Très bien. Il l'a fait. Tyr a vraiment dormi dans mon placard à balai. C'est normal pour de grandes divinités comme vous? Ou seulement pour celles qui sont restées enfermées une ou deux éternités? Moi aussi. Et il est bon de te... Alors... Qu'est-ce qu'on peut faire niveau argent jet? C'est niveau XP que c'est un petit peu plus compliqué. L'âme du chaos, ouais, là, ça sert à rien, on a déjà tout fait, on peut y aller en vrai. Je te le fais pas dire, sans parler de ce que j'ai dû offrir au proprio pour t'obtenir cette graine d'Yggdrasil. Le proprio? Il n'est pas le propriétaire. Ok. D'accord. Je te suis. Je vous retrouve devant l'accès mystique, mes amis. Ok, c'est parti, direction l'aspect... non, qu'est-ce qu'il a dit? Mystique? La porte mystique? Non, je sais plus. L'accès mystique, ben oui. Un petit instant. Pardon? Permettez que je jette un rapide coup d'œil. Je vous promets d'être bref. Bonté divine, en voilà une sacrée musculature. Capable de toute une variété d'actes de violence, je présume. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est sûrement l'écureuil qui prend soin de l'arbre-monde. Cet appétissant arôme serait-ce... Pardonnez l'intrusion. Ah oui! De la résine d'ambre, petits goûts de noisette et notes d'encre de sèche. Non. Monsieur n'aime pas les expériences gastronomiques? Attends, si tu es Ratatosk, pourquoi tu es si différent quand on t'appelle à l'aide? C'est une longue histoire. Mais tu as raison, je suis bien Ratatosk. Le Ratatosk que tu connais n'est rien qu'une de mes projections spectrales, et pas la plus amicale, malheureusement. Je la trouve si éloignée de moi que je la considère presque comme quelqu'un d'autre. Et, à ce propos... Amer, veux-tu bien te montrer et saluer nos amis? Lâche-moi, j'ai affaire! Je suppose qu'il fallait s'y attendre. Mais passons! Maintenant que j'ai lustré toute cette jolie résine, veux-tu reprendre la graine? C'est donc une graine. En effet. Et une graine d'Yggdrasil, plus précisément. Mes pensionnaires nains ayant procédé à quelques menus réaménagements, vous aurez besoin de ces graines pour ouvrir de nouvelles destinations dans mon arbre. Ton arbre, hein? Oui, mon arbre. Tiens. Je vais te montrer. Ok. Oh, je comprends mieux pourquoi Maître Brock avait besoin d'une graine d'Alfheim. Les chemins se ramifient comme les branches d'Yggdrasil. À Alfheim, c'est un long périple qui vous attend. À Niflheim, les terrains d'entraînement recèlent des récompenses secrètes. Vous pourriez avoir des choses à régler à Svartalfsheim. Réfléchissez bien. Ok, vous avez obtenu de nouvelles graines d'Yggdrasil pour Alfheim et Niflheim. Choisissez le royaume dans lequel vous êtes. Cette graine que tu as trouvée ouvre le royaume de Niflheim, un lieu aussi ancien que vaguement poisseux. On va là pour test ou pas? En vrai. Est-ce qu'on va là? Ok, si on ne va pas tout de suite à Alfheim, il serait plus sage que Tyr nous attendisse. On va test vite fait, les gars. Les soldats qu'on a affrontés à Svartalfheim, c'était des Enaria. Je croyais qu'ils n'étaient que des esprits attendant le Ragnarok au Valhalla. Ce n'étaient pas des esprits. En effet, mon frère. Odin semble avoir trouvé une astuce et éveillé ses forces armées avec un temps d'avance. Peut-être ne pouvait-il y parvenir qu'en l'absence de Valkyrie intègre à ses côtés. Alors... L'arbre au corbeau. Qu'est-ce qu'on fiche ici? Alors, ça me fout les jetons, tous ces pauvres types, avec leurs âmes brisées. Il y a quelque chose.
Ah, un mémorial de guerre. Tu peux t'en servir d'arène d'entraînement si tu le souhaites. D'accord. Tu affronteras les souvenirs d'ennemis, ils ne pourront pas te blesser. Et là, il y a des trucs secrets. Ça peut être intéressant, vous en pensez quoi? Go. On peut y aller. Ok. Derrière toi, regarde. Ok, mort. J'ai pas bon. Ok. Hop. Ok. Superbe. Allez, éclatage de gueule. Oh, ça j'aime bien. Oh non, j'ai glissé. Derrière toi, regarde. Ok. J'ai putain de seum. J'ai glissé, j'ai appuyé sur les deux sticks sans faire exprès. Tiens pas. Ok. Allez, excès de rage. Ça, ça régale. Ok. Tiens pas. Ça. Ça donne de la rage, on fait. Très bien. Très bien. Très très bien. On s'arrête jamais ou quoi? Okay. Ok, j'ai pas compris le but du jeu, c'est à l'infini ou quoi? J'ai l'air d'être de plus en plus énervé quand même, donc je sais pas quoi. Oh là là, je suis énervé. C'est quoi cette boucherie? C'est quoi cette boucherie, frère? Derrière toi, frère. Je sais pas ce qui se passe, si c'est à l'infini ou quoi, mais... Que ce soit l'infini, hein. Tiens le pas. What? Ok, c'est déjà qu'on progresse. Ok. Bon, je sais pas trop ce que ça m'a amené. On a fait boucherie-charcuterie pendant 2 heures. J'ai pas trop pigé. Ça sûrement, ça a dû m'apporter de l'XP. J'ai pas bien fait gaffe. Je verrai ça au montage. Mais c'est les corbeaux d'Odin. Oh la vache. Ceux qu'on détruit depuis le début. Il semblerait. Ok, c'est là la quête. Les amis, n'oubliez pas de j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Bye bye tout le monde.